Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente comment installer un lecteur vidéo universel, à savoir VLC Media Player. Alors, pour le récupérer, vous lancez votre explorateur internet et en recherche Google, donc ici ou ici, vous tapez VLC Player. Voilà. Alors, il vous propose de le récupérer sur différentes plateformes, 01net, 01net et Videolan. Voilà, Videolan. Alors, l'intérêt d'aller le rechercher sur Videolan, c'est que la société qui fabrique ce player est Videolan. Donc, mieux vaut toujours aller le chercher chez le fabricant en direct, vous êtes sûr d'avoir la dernière version et d'avoir une version dans laquelle n'aura pas été rajouté virus et autres cochonneries. Donc on va donc sur vlcvideolan.org. Voilà. Et donc là, on arrive sur la page, vous voyez, où il nous parle des différentes versions. Et ici, vous voyez, vous avez download. Donc vous cliquez sur download. Et là, il nous propose en téléchargement les différentes versions de VLC. Alors, vous l'avez en Windows, en Mac, en BIOS, vous avez plein de versions Linux, enfin bon, c'est un lecteur qui existe dans énormément de plateformes. Alors, nous, on est sous Windows, donc on clique sur Windows, et là, vous voyez, il nous propose la 0.9.4 qui est la version minimum à installer et qui est la version du jour au samedi 1er novembre 2008. Bon, bien sûr, il y a régulièrement des mises à jour, mais attention, il faut au minimum avoir les 0.9.4 si vous voulez qu'ils vous lisent tout, enfin presque tout. Alors, donc pour le télécharger, là il vous propose un serveur. Vous en avez d'autres ici si vous voulez, mais le plus simple c'est encore de prendre celui par défaut. Et voilà, c'est parti. Alors, donc là on est sous Firefox, hein, mais sous IE c'est pareil. Et voilà, on fait enregistrer le fichier et voilà, il nous le télécharge. Alors, je vous ai dit que c'était un lecteur universel. Lecteur universel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vous ouvrir à peu près n'importe quelle vidéo sans ajout de codec, puisque souvent lorsque vous allez vouloir lire des vidéos, vous allez rentrer dans l'enfer des codecs où il va falloir pour votre lecteur rajouter des codecs, les plus connus étant bien entendu les codecs DivX par exemple. Bon, alors vous allez avoir des packs de codecs qu'il faut télécharger, installer, et souvent dans ces packs de codecs, eh bien, vous allez vous retrouver avec un petit virus qui a été rajouté, ou un petit spyware, enfin, voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est ne rentrez pas dans l'enfer des codecs. Vous utilisez VLC, qui lit à peu près n'importe quoi depuis sa version 0.9.4, sans ajout de codec. Comme ça, vous êtes tranquille, vous ne pourrissez pas votre machine, et en ce qui me concerne, tout ce qui n'est pas lu par VLC, en termes de vidéo, poubelle. Alors après, pour la musique au format MP3, je continue à utiliser le lecteur Windows Media, puisque il vous fait des belles petites animations, des belles petites fractales, et c'est vrai que c'est assez sympa, donc bon, je continue à l'utiliser pour la musique au format MP3. Mais pour les vidéos, je passe tout sous VLC, et ce qui n'est pas lu par VLC, je me répète, poubelle. Voilà, donc ça y est, on l'a téléchargé. Donc si vous l'avez téléchargé autrement, vous l'avez mis sur votre ordinateur, bah, il suffit d'aller à l'endroit où vous l'avez mis sur votre ordinateur et vous double-cliquez dessus. Ça, c'est l'avertissement de sécurité. Ok, non, c'est pas un virus. Je l'ai bien téléchargé depuis VLC, depuis Videolan, pardon, donc il n'y a pas de problème. J'autorise, voilà. Alors il nous dit attention, il y a une ancienne version qui est déjà installée. Voulez-vous la désinstaller? Oui. Ok, donc voilà. Donc on efface, on désinstalle l'ancienne version, voilà. Et maintenant, il nous propose d'installer la nouvelle version. Alors, l'ancienne version était déjà la 0.9.4, mais bon, ça nous permet de voir effectivement comment ça fonctionne. Donc là, il nous réinstalle la 0.9.4. Ok, donc on accepte, ça c'est les questions de licence. Après, là, il y a pas mal d'options. Bon, par défaut, pareil, vous laissez tout ça
par défaut, vous ne modifiez rien, on fait suivant, là aussi, où est-ce qu'on veut l'installer, on le laisse bosser en laissant la configuration de base par défaut, c'est encore comme ça que ça marche le mieux, voilà, et on fait fermer, et là, donc là on peut fermer notre explorateur, et là il nous dit, attention, par défaut, lorsque vous allez lire des vidéos, vous pouvez aller récupérer automatiquement des informations sur Internet. Bon. Mais pour éviter que des choses soient téléchargées ou des informations soient envoyées à votre insu, VLC désactive ces fonctionnalités et le propose manuellement. Vous voyez, téléchargement manuel seulement. Voilà, alors vous pouvez l'activer si vous voulez, hein. Mais moi je vous conseille de le laisser par défaut, comme ça vous êtes sûr que à la lecture d'une vidéo, eh bien il n'y a pas des informations vous concernant qui seront envoyées sur Internet. Ici vous avez une petite case qui est activer la notification en cas de mise à jour disponible. Là, laissez-la, ça vous permet effectivement d'être averti des nouvelles versions de VLC. Ok. Et donc là, vous voyez, vous avez l'interface de VLC pour la nouvelle version, la version 0.9. Ok, donc on va la fermer et il nous a mis un petit icône sur le bureau. Alors moi par défaut, tout ce qui est sur le bureau, j'enlève. Alors maintenant, comment on va l'utiliser? Donc on va aller sur un disque dur. Et là, par exemple, on a pas mal de petites vidéos. Hein, c'est un disque de travail pour notre prof. Et alors par exemple on a ici une vidéo au format MP4. Alors vous voyez, il y a un petit donc moi j'ai tout affecté à VLC et vous avez le petit pylône. Ce petit plot, c'est un petit plot orange. Ça veut dire que c'est du VLC. Donc là, comme c'est déjà affecté, il suffit de faire lire. Et voilà, ça se lance. Alors, si vous n'avez pas ce petit plot, comment faire pour l'affecter? Vous sélectionnez le fichier, vous faites un bouton droit, et vous faites « Ouvrir avec ». Et là, vous voyez, il vous propose différents lecteurs, et vous faites « Choisir le programme par défaut ». Donc là, vous prenez le programme que vous voulez, donc VLC Media Player, et vous cochez « Toujours utiliser le programme sélectionné pour ouvrir ce type de fichier ». Voilà, par défaut, c'est coché, vous le laissez cocher. Et voilà. Et vous voyez, donc là, il vous l'ouvre et vous avez tous ces fichiers. Alors, également, vous voyez, les WMV, moi, je les ai mis aussi avec, avec VLC. Alors là, vous voyez, par exemple, on a un MPEG-2. Alors, le MPEG-2, si on clique, je ne sais pas trop ce que c'est, ça, on va voir. Lecture. Voilà, bon, bah, c'est le même truc, mais c'est du MPEG. Et vous voyez, là, c'est le lecteur Windows Media qui me l'a ouvert. Bon, et bien si je veux que ce soit le VLC, on applique ce que je viens de vous dire, ouvrir avec, choisir le programme par défaut, on sélectionne bien le VLC, on laisse ça, et voilà. Et voyez, alors, bon là clairement, vous voyez, c'est ma résolution d'écran est volontairement faible, donc je suis en 1024x768, pour que le cours soit clair, mais donc ça fait un petit peu petit là. Bon, donc ok, alors on va en prendre un. Alors il lit les MP4, mais il lit aussi, voyez, les FLV, les MPEG, etc., etc. Bon, et tout ce qui n'est pas lu par VLC, moi je vous dis poubelle, hein. Donc on va prendre, voyez, par exemple un cours en FLV qui est l'ancien format utilisé sur NetProf. Alors on peut directement le lancer ici. Bonjour et bienvenue sur NetProf. Voilà. Alors ici vous avez le volume. Ok. Et alors on va réduire un petit peu pour avoir un petit peu de place. Si vous voulez, vous avez également dans l'interface, voyez, la possibilité de l'équaliseur graphique. Pour l'audio, vous avez équaliseur spatial, activer la spatialiseur, enfin bon, vous voyez, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, des effets vidéo, les teintes, les contrastes, l'accentuation, les couleurs, rogner, enfin bon,
il y a vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez le synchroniser. Également, ici, vous pouvez mettre une liste de lecture, vous voyez, pour les lire les uns à la suite des autres. Et ça, c'est pour le plein écran. Vous voyez, on passe en mode plein écran. Et si vous voulez supprimer le mode plein écran, vous pouvez soit cliquer ici, je le remets, ou faire un échappe. La touche échappe en haut à gauche du clavier. Voilà. Ok, alors également, vous voyez, vous avez énormément d'options dans l'interface ici que je vous laisse découvrir. Hein. Vous voyez, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez, des entrelacés, etc. Bon, alors ici, dans les outils, un truc qui est intéressant, c'est justement, je vous parlais des codecs tout à l'heure, et bien vous pouvez cliquer sur Informations sur le média, et là, il va vous donner justement. L'échantillonnage, le codec, les débits, etc. Enfin, vraiment, c'est, vous voyez, c'est très très complet, vous voyez. On retrouve tout ça, donc voilà. Donc, on arrête. Ok, donc voilà un petit peu une présentation rapide de VLC Media Player, qui, je vous dis, est un lecteur universel, et même le meilleur lecteur universel, qui a l'avantage de fonctionner sans ajout de codec. Et donc, je me répète, en ce qui me concerne, eh bien moi, j'utilise VLC, et ce qui n'est pas lu par VLC, eh bien, je mets à la poubelle. Je vous remercie, bonne fin de journée, au revoir.